Bonjour, donc je me suis aperçu que Apple dans Final Cut Pro 10.4 a supprimé l'effet Letterbox, rendant ainsi impossible de pouvoir utiliser la position offset. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé ce plugin grâce à la personne dont je mettrai le nom dans les commentaires, ainsi que les liens pour aller à ce plugin qui permet de tout faire et plus encore de manière tout à fait facile. Voilà, donc on va y venir. Donc je retourne, je vais dans Final Cut et donc dans les effets, vous. Une fois que vous avez placé le plugin, vous tapez Alex. Ça vous montrera Alex 4D Letterbox. Et d'ailleurs, en survolant le plugin, vous pouvez voir directement l'effet. Donc je le mets là. Voici. Et là, maintenant, je peux configurer Alex Letterbox. Changer l'aspect ratio. Il y a toutes ces possibilités-là pour le ratio. Donc, ouais, je vous en mets un peu, etc. Vous pouvez masquer. Vous pouvez faire en portrait, en paysage. Et donc, vous pouvez également définir la position du clip. Comme ceci, comme ceci. Là, c'est la position comme ça. Mais vous pouvez aussi agrandir l'image intérieure sans toucher les bords, les bandes. Et tout ceci avec toutes les possibilités des images clés. Vous avez aussi la transparence des bandes que vous pouvez gérer. L'effet le letterbox à gauche et à droite. Le letterbox comme ceci. Et ça aussi. Vous pouvez gérer la couleur. Je vous remercie d'avoir regardé. Au revoir.